Zagereu ki adasheni Ani ole lifkot lecha tiye chazak. Muchos llegaron a dar sus respetos a Ilan Halimi al inhumarse sus restos en Jerusalén. Él siempre deseó vivir en Israel. El gran rabino de Francia, Joseph Sitruk, se dirigió a Ruth, la madre de Ilan, con gran emoción. Il y a un an, vous nous donniez des grandes leçons. Je me souviens, j'avais le doute de vous voir. J'avais préparé quelques phrases dans ma tête, en me disant, il faut que je lui dise. Je vous ai vu, j'ai pas eu besoin de parler. Luego fue el turno del embajador francés en Israel, quien habló del drama que acabó con la vida de Halimi. La mort d'un enfant est inconcevable, au-delà du pensable. Elle renverse l'ordre du monde. Elle est une insulte à la terre et au ciel. El ministro israelí de absorción evocó el horror del asesinato de Halimi y lo ubicó en perspectiva histórica. The beginning of the Zionist movement by Theodor Herzl was in Paris in Dreyfus trial, and we are now closing this circle by bringing Ilan Halimi, who was murdered in Paris, to be buried in the State of Israel in Jerusalem. Los restos de Ilan descansarán en una colina de Jerusalén, no lejos del bosque que de ahora en más llevará el nombre de Ilan Halimi, para que sea recordado por siempre a través de la naturaleza y se muestre así el triunfo de la vida sobre la muerte. Y de témoigner avec la famille d'Ilan que malgré ce crime anti-sémite ignoble qui a coûté la vie à Ilan, nous voulons aussi témoigner pour la vie et à travers la plantation de cet arbre assurer une descendance symbolique à Ilan assassiné. Surtout pour que l'État d'Israël soit toujours là. Tant qu'il y a, il y aura des arbres, il y aura des hommes. En el 2006, más de 60 años después de Auschwitz, un joven murió simplemente porque nació judío. Los árboles serán la prueba del triunfo de la vida.